une escape box. Nous ici on a fait des valises, mais ça peut être une boîte ou autre, où il y a des énigmes dedans et on résout les énigmes au fur et à mesure pour arriver à un objectif final souvent. Ici on est sur une table, il y a la boîte sur la table, on est assis, on ne bouge pas, il n'y a pas autre chose que dans la box. Il n'y a pas des trucs à aller chercher ailleurs. On n'a pas mis internet dans la nôtre, mais on pourrait faire avec accès à internet et aller chercher des réponses sur internet. Et on, comme j'ai dit avant, on résout les énigmes. C'est des petits puzzles, de la réflexion, des images miroirs et autres qu'il faut trouver et avancer pour résoudre les énigmes. C'est un peu une escape room portable. C'est plus facile, on peut transporter plus facilement dans les festivals. Je sais qu'il y en a qui en livrent, qui en créent sur mesure et qui les livrent. C'est pas mon cas. Là, c'est juste un créé pour un événement et on le réutilise pour cet événement ici. Alors la nôtre, c'est on dit à partir de 12 ans parce qu'on ne veut pas une table de que des personnes qui ont 10 ans, mais on peut accepter une ou deux personnes plus jeunes qui participeront quand même. Il y a des choses qui sont abordables pour des enfants de 8 ans, mais en dessous du temps, je pense que ça commence à être difficile. Oui, tout public, je pense que n'importe qui peut s'y intéresser s'il se prête au jeu.